Yep les gens, c'est aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Donc c'est venu pour vous présenter un tout nouveau DLC qui va débarquer en décembre. Donc il s'intitulera Import-Export. Donc je vais vous dire ce qu'on dit Rockstar Game sur le Newswire. Donc un bon PDG sait parfaitement qu'il y a toujours de nouvelles opportunités à saisir. Tandis que le commerce des marchandises spéciales est en plein essor dans le sud de San Andreas, une nouvelle aubaine idéale pour renforcer votre domination sur la ville se présente à vous. Dans GTA Online Import-Export, n'hésitez pas à vous servir de vos points pour vous faire une place dans le domaine lucratif et spécialisé du vol de voitures à grande échelle. Donc là, vous allez voir une image qui défile. Donc on peut voir un nouveau garage et un nouveau véhicule. Donc tout en haut qu'on peut voir en plein milieu, enfin à droite au milieu de l'image. Donc elle ressemble vraiment à la Bugatti Chiron, donc la nouvelle de 2016. Et une nouvelle vie, un nouveau aussi véhicule en plein milieu de l'image. Donc là, ils ont l'air d'être assez stylés les deux. Voler et vendre des véhicules, c'est un business bien plus compliqué qu'il n'y paraît. Import-Export s'appuie sur la chaîne d'approvisionnement de haute finance et basse besogne et offre une toute nouvelle vocation criminelle aux PDG et aux membres de leur organisation. Voler, modifier et revendre les véhicules les plus recherchés de la ville et réaliser des bénéfices incroyables. Pour effectuer correctement votre travail, vous aurez besoin de talent, de coordination et vous devrez utiliser vos nouveaux véhicules spéciaux avec discernement. De plus, vous devrez vous assurer d'avoir toujours une longueur d'avance sur la police et sur vos rivaux, qu'ils se trouvent en ville ou à la campagne. Donc là ça lance vraiment du lourd. Donc on peut voir encore un nouveau véhicule donc sur l'image. Donc c'est la deuxième image. Donc ça a l'air vraiment stylé hein, franchement. Donc voilà. Donc haute finance et basse besogne, je vous rappelle que c'était des voitures très très chères. Donc là voilà. Déjà on aura des garages à 60 places. Qui dit véhicule à 60 places. Donc dit aussi beaucoup beaucoup de nouveaux véhicules. Donc voilà. Enfin bref. Donc là on va passer aux suites de la Newswire. Vous pouvez retrouver les résultats de vos opérations d'import et d'export dans le nouveau entrepôt de véhicules, PDG. Vous aurez la possibilité de récolter les fruits de votre labeur et d'agrandir vos bureaux en investissant dans un garage de fonction à 3 niveaux pour y garer jusqu'à 60 véhicules en toute sécurité. Vous pourrez le décorer comme bon vous semble et même y installer un atelier de customisation. Donc ça rappelle beaucoup aussi, donc avec les motos, boulot, bobo, enfin voilà. Donc le dernier DLC qu'on a eu, donc on peut aussi customiser et avoir un appartement, enfin un sort d'appartement. Donc je pense que ce sera la même chose, mais encore en plus classe. Donc là vous avez pu voir une troisième photo qui va s'afficher. Nous publierons bientôt plus d'informations sur Import-Export, dont un aperçu des nouveaux véhicules spéciaux qui vous permettront de semer le chaos et la destruction dans GTA Online d'une manière totalement inédite. Et on peut voir que sa dernière image, le véhicule donc duquel il parle, on peut très bien voir la ressemblance avec le véhicule de Fast and Furious 6. Je mettrai une petite image pour montrer la différence. Et donc là, donc ce sera tout pour cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. Et pour plus de vidéos, abonnez-vous. Moi je vous dis peace et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.